Je vous remercie beaucoup. Juste avant de... Les membres de la Software République se rassemblaient, le 23 octobre, à l'école 2600 à Montigny-le-Bretonneux. Ils y présentaient leur écosystème collaboratif de formation, son nom, la Talent Academy. Ces termes ne vous disent sûrement rien, alors pour commencer, c'est quoi la Software République ? C'est une initiative qui a été lancée en avril 2021 par 6 grands groupes. Dassault Systèmes, Eviden, Orange, Renault Group, ST Microelectronics et Thales. Leur but ? Faire face au manque d'ingénieurs en France, mais surtout au manque de jeunes sortant de formation scientifique. Le but de la Software République, c'est finalement de faire ensemble des choses qu'on n'est pas capable de faire tout seul. D'abord, centré sur des produits, des services, donc des activités, je dirais, d'ordre plus business. Hein. Et puis, finalement, de manière assez naturelle, est venue la question des compétences, puisque pour créer tous ces produits, on a besoin de compétences software. On s'est rendu compte qu'on en manquait tous, et donc on a décidé de s'allier pour également augmenter, je dirais, notre tuyau de compétences dans le monde du software en faisant des actions, là encore, en commun. À ce jour, il manquerait près de 20 000 nouveaux ingénieurs diplômés en France, selon le syndicat Syntec Ingénierie. C'est là qu'intervient la Talent Academy. L'objectif est simple, susciter des vocations et attirer les jeunes, en particulier les jeunes femmes, vers le monde de la technologie et de l'industrie. Pour ce faire, la Talent Academy articule son programme autour de 3 grands axes, l'éducation, le recrutement et la formation. Ils correspondent aux 3 moments clés d'une carrière professionnelle. Donc tout d'abord l'éducation. Donc pour cela nous avons créé le programme Factory qui est un programme dédié aux jeunes. Quand je dis les jeunes, ce sont les 15-20 ans. Donc dès le collège, on va à la rencontre de ces jeunes pour essayer de susciter des passions autour des métiers de l'ingénierie auprès donc des jeunes et en particulier des jeunes filles. Pour le recrutement, c'est la Talent Incubator qui s'en charge. Ce programme d'apprentissage est dédié aux 20-25 ans qui sont à la recherche de leur premier emploi. Et enfin, la formation avec la Talent Accélérateur qui intervient en cours de carrière. Nous avons le programme Accélérateur qui là est un programme de formation continue dédié à l'ensemble des collaborateurs des 6 entreprises de la Software République. Et là nous avons comme objectif de former 40 000 collaborateurs à horizon 2025. Et donc la Talent Academy de Software République est un pilier complémentaire aux politiques de ressources humaines qui existent dans nos entreprises et qui va permettre d'atteindre cet objectif ambitieux. Parmi ceux qui ont intégré ce projet, il y a Victor Verdet. Apprenti à l'école 2600 et membre de la Talent Incubator, il fait partie de l'équipe Software République de chez Renault Group. Pour lui, intégrer ce programme a été une chance. Il s'agit du premier écosystème collaboratif de formation mis en place par de grands groupes. Concrètement, on est convié à des événements, on est convié à des conférences, des formations. Voilà, rencontrer d'autres alternants et d'autres experts, d'autres écoles qui font partie de la Talent Academy. Donc ça démultiplie encore plus notre réseau futur. Et à côté de ça, ce qui est super intéressant, c'est que la Software République nous propose du matériel et des experts pour venir enseigner et aussi pour qu'on puisse s'exercer. Cette initiative est inédite en France et en Europe. Il s'agit du premier écosystème collaboratif de formation mis en place par de grands groupes.